Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 6 janvier 2023 est de 146 gourdes, 39,82 pour 1 dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 149 gourdes, 0,518 pour 1 dollar. À la clôture du marché le jeudi 5 janvier 2023, le baril de pétrole était à 73,67 $, soit une hausse de 1,13%. Les importations des biens et services en Haïti actuellement se chiffrent à 5,4 milliards de dollars contre 1,35 milliards de dollars américains d'exportation pour 4 milliards de dollars de déficit au niveau de la balance commerciale, a informé le gouverneur de la BRH, Jean-Baden Dubois. Parallèlement, au cours de l'année 2022, les transferts sans contrepartie provenant de la diaspora, la principale source de devises en Haïti, a chuté de 7%, passant de 3,9 milliards de dollars en 2021 à 3,7 milliards de dollars américains en 2022. L'État prévoit 20 milliards de gourdes de recettes sur les produits pétroliers pour l'exercice 2022-2023, a informé le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert. Le Trésor public au cours des trois premiers mois de l'exercice, octobre, novembre, décembre, après l'ajustement des prix en septembre 2022, est parvenu à liquider plus de 7 milliards de gourdes de dettes envers les compagnies pétrolières, a-t-il souligné. La Direction générale des douanes a collecté près de 10 milliards de gourdes pour le mois de décembre 2022, annonce l'institution, soulignant que la loi de Port-au-Prince à elle seule a contribué à près de 90% de cette nouvelle performance. Pour le mois d'août, les recettes douanières étaient de 8 milliards de gourdes. Fin de la rubrique Profine Info, merci de votre écoute, à demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.